Yes, Lord. Erakatototototo. Belletototo. Un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, si katatate totapa. Oh, un jour je sais, tu te lèveras. Regarde, un jour, mettez un peu ça à l'écran, Jean 17, verset 6. Un jour, Jésus s'est levé et il a dit aux apôtres, surveillez la salle, pardon. Surveillez la salle. Gloire de Dieu est très forte ici. Et il a dit aux apôtres, mais c'est à tous qu'il parlait, parce que après ça, il va dire, je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Donc Jésus t'a vu et il m'a vu. Et il a dit, nous sommes un avec lui et avec les apôtres aussi. Donc toute parole déclarée aux apôtres, c'est déclaré à nous tous. Donc amen n'était pas très clair. Regardez Jean 17, verset 6. John 17, verse 6. En 2 minutes, ta vie va changer. In 2 minutes, your life will change. Les choses qui créent les géants, these are create giants, ce sont de simples lumières. A very simple light. Je vous dis. I tell you. Tu vois quand un enfant brille à l'école. Ce n'est pas qu'il a un cerveau différent. Not that I have a different brain. Non. No. Il a seulement choisi. He just choose. De ne pas être distrait par la télévision ou le téléphone ou les amis. C'est tout. Simple lumière comme ça. Et un géant naît. Souvent nous croyons que ce sont des grandes choses qui créent des grands destins. Non. Les petites choses. Amen. Yes. Regarde. Il dit. Oh, dans cette version, dit j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné. Est-ce qu'il y a une version qui dit j'ai fait connaître ton nom? I made known your name. Hein? Ta version dit ça. C'est quelle version? What version is that? J'ai fait connaître ton nom. I made your name known. Aux hommes que tu m'as donné. To the men you've given to me. Hey, ton amen n'était pas audible. Amen. J'ai fait. Est-ce que quelqu'un a cette version aussi? Amen. J'ai fait. Voilà, pasteur Cornel, lis un peu. Verset 6. Oui. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. J'ai fait quoi? Fait connaître ton j'ai nom. J'ai fait connaître. Ayayaya kabada. Si tu comprends ça. If you understand this. Oh my God. Ce matin, tu vas prendre une lumière. Tu vois, c'est pour ça que certains d'entre nous, some of us, je ne sais pas comment te dire ça. Tu, vois, tu es presque obligé de penser que je suis orgueilleux. Je ne peux pas avoir peur. I cannot be afraid. Non, je te dis, je peux pas. Souvent, j'essaye d'avoir peur. I try to be afraid. C'est-à-dire, je me réveille comme ça. Dis, hey. Même moi, je sais, gaga, ça, c'est la malade. Peur de qui, de quoi, où, quand. Il dit, regardez, Jean 17, verset 6. Regarde. Est-ce que tu sais que do you know that? Il faut la connaissance you need knowledge pour que tu voies for you to see les clous au sol nails on the floor et les planches plus loin. And for blocks et tu vois une table. And you see a table. Quelqu'un d'autre va traverser ça toute sa vie, ne voit pas une table. Donc quand on lit ce verset comme ça, tu dis... Qu'est-ce qui l'excite là? Ce qui m'excite ici, ce n'est pas le verset ci. C'est toutes les autres lumières qui sont connectées à ce verset ci. Attends, allons doucement. Non. Il dit, relis encore parce qu'on connaît. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. J'ai fait quoi? J'ai fait connaître ton nom. Je relis encore. J'ai fait connaître ton nom. Lis encore ça. J'ai fait connaître ton nom. Attends. Oui. Allons dans Exode 33, verset 19. Exode 33, verset 19. Si ton voisin s'assoit, tape sa tête, tu prends la grâce qui est là-dessus. Take his grace upon his life. Tu dis, everything I take. I can see everything turning around.
turning around, turning around from my, oh, I can see everything. Turning around, turning around, turning around for my good. On reprend. Rien que les instruments. Oh, I can see everything. Turning around, turning around, turning around for my good. Oh, I can see everything. Turning around, everything. Turning around, everything. Turning around for my good. On reprend. La jupe orange de Dalen était où? Hey, hey. Oh, I can see everything. Turning around, turning around, turning around for my good. Où est ton mouchoir? Mon handkerchief. Oh, I can see everything. Turning around, everything. Turning around, everything. Turning around for my good. Oh, I can see everything. Turning around. Everything. Aïe, 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 aïe. Ah, regarde. Mettez Exode 33, 19. Quelqu'un demande que c'est quel genre d'église. Ça te regarde. Dis à ton voisin, ça te regarde. I can see everything turning around. It's turning around. Oh. Exode 33, verset 19. Suivez bien. Follow me keenly. Si tu prends la lumière ici, if you take this light, je te dis, tu vas marcher en route comme ça. Dit, tu es tellement road, foiré que tu n'as rien dans that, les poches, même dans les problem, rêves. Even in your dreams. Mais la manière que tu marches, the way you walk, les riches te demandent de l'argent. When people ask for your money. Les gens ne comprennent pas ce que je dis. You know, il dit, tu es foiré le genre que ni dans les poches, ni dans les rêves. Même quand tu rêves, tu ne vois pas l'argent. Mais la lumière qui est en toi. Quand tu marches. When you walk. I can see everything. Turning around. Everything. Turning around. Hey! Everything. Turning around for my good. Oh, I can see everything. Turning around. Everything. Turning around. Turning around. Exode 33, 19. Tout ce qui a provoqué ça, c'est un verset. Jean 17, verset 6. J'essaye de me calmer. Verset 19, regarde. L'Éternel répondit. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui parle ici. Je ferai passer devant ta face toute ma bonté. Et qu'est-ce que je vais faire? Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Amen. Donc Dieu dit que je vais proclamer mon nom. Ouais. Mon nom là, je vais proclamer ça. Ouais. Ayama kito pahata. Maintenant, allons regarder le nom quand il proclame. Mettez Exode 34, verset 5 à 7. Exode 34, verset 5 à 7. Et écoute, écoute, ouais, le piano s'est arrêté, il est parti où? Regarde. Look. Pour que quelqu'un te dérange sur cette terre, il faut qu'il s'appelle Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ et toi, vous êtes déjà un. Amen. Sur cette terre, mets ta main dans la poche, dis, c'est moi qui suis au contrôle. C'est moi qui suis au contrôle. Je suis au contrôle. I am in charge. Je suis au contrôle. I am in charge. Je suis au contrôle. Est-ce que tu sais que Dieu a fait le titre foncier de la terre qu'il a donné à Abraham. Le titre foncier de la terre a le nom d'Abraham. Et si tu es en Christ, tu es héritier d'Abraham. Dis après moi, le titre foncier de la terre, ça porte mon nom. Le premier qui dit Amen. Attends, regarde.
Exode 34, verset 5 à 7. Regardez. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama quoi? Le nom de l'Éternel. Ce qu'il lui a promis là au chapitre 33, verset 19, c'est ça qui va se passer. Verset 6. L'Éternel passa devant lui en proclamant. Maintenant, voici son nom. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom, ça ne veut pas dire qu'il leur a dit que, pss, pss, pss. Oh, les gars, venez. Mon nom, c'est Jésus-Christ. Non. Le nom, c'est la nature. C'est le caractère. C'est la personnalité. Est-ce que vous comprenez un peu? Le nom révèle l'amplitude de la personne de quelqu'un. Attends, regarde. C'est pour ça que ma Bible dit dans Philippiens 2, versets 9 et 10 que et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça ne veut pas dire qu'on l'a appelé dans notre nom que Jésus le Christ. Non. C'est seulement pour dire que dans ce caractère et cette nature et cette personnalité, Dieu a investi toute la divinité. Le Fils a tellement réjoui le Père que le Père a pris le nom du Fils. Oh! Ma Bible dit dans Colossiens 2, verset 9 et 10, qu'il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude de la divinité, la totalité de Dieu. Il n'y a plus Dieu nulle part en dehors de Jésus-Christ. Le premier qui dit Amen, ta vie va changer. Allons doucement. Maintenant, il va proclamer son nom. Dis à ton voisin, voici le nom de Dieu. Il dit l'Éternel, l'Éternel. Dieu compatissant et qui fait grâce. Lent à la colère. Donc tu espérais qu'il va dire que mon nom c'est Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Adonai. Jéhovah Nissi. Jéhovah Rapha. Non, tu ne vas pas dire toutes ces choses. Il dit l'Éternel, l'Éternel. D'abord même, tous les Jéhovah Sabaoth et tout ça, ce sont des révélations de Dieu que les individus ont eues. A dit Amen. Et chaque fois que tu à la connaissance de sa personnalité, tu vas découvrir ce que le prophète Isaïe va dire. Il va dire, quand tu connais sa personnalité, son nom, tu es incapturable. Amen. Aucune situation, aucune condition, aucun événement, aucune circonstance, aucune autorité, ni dans les eaux, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans les abîmes, aucune forme d'attaque, rien ne pourra jamais affecter ta vie d'aucune manière. Le premier qui dit Amen, c'est à toi que je parle. Regarde, il te faut la lumière. Regarde le verset 6. L'Éternel passa devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Amen. Amen. Verset 7 maintenant. Finissons là-bas. Let's end it. Qui conserve ça? Donc, tu vois, tout ça, il est en train de proclamer quoi? Son nom. Qu'est-ce qu'il fait là? Il proclame son nom. Amen. Et qu'est-ce que nous avons lu au début dans Jean 17, verset 6? Je leur ai fait connaître ton nom. Ça veut dire que ceux-ci ont vu ton caractère. Ils ont vu ta personnalité. Ils ont vu ta nature. Ils ont vu l'amplitude de ta personne. Le premier qui dit Amen. Ça veut dire que je ne leur ai rien caché de ta nature. Est-ce que tu sais ce que la parole du Seigneur dit dans le même Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'à 19? Il dit qu'il a plu à Dieu qu'en toutes choses, il soit le premier. Et il dit, c'est Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Il est l'expression de l'être de Dieu. Tu vois, il est la face visible du Dieu invisible. Donc maintenant, quelqu'un peut totalement connaître Dieu. Par Jésus-Christ. Ton amen n'est pas clair. Amen. Dans Hébreux 1, versets 2 et 3, il dit que ce Fils est l'expression de son être et le rayonnement de sa gloire. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Mettez un peu ça, ça va te bénir. Hébreux 1, versets 2 et 3. Hey! Donc quand tu dis au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas le son que ta bouche émet, c'est la révélation qui t'a été donnée.
C'est pour ça que certains émettent le son là et rien ne se passe. Mais d'autres sont seulement présents. Ils n'ont pas à ouvrir leur bouche. Parce que leur présence, c'est la présence de Dieu. Le premier qui dit un amen vivant, ça se passe. Regarde, regarde, c'est là. Allons-y. Hébreux 1, verset 2 et 3. Regarde. With all my heart. Oh, 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 Dieu, dans ces derniers temps, oui, nous a parlé par le Fils. Il nous a parlé par qui? Par le Fils. Est-ce que Dieu parle autrement que par le Fils? Non. Does God speak otherwise than Donc maintenant, si quelqu'un vient te dire que Dieu a dit God said, qu'il doit allumer les bougies, he has to light on candles. Il dit que non. God says no. Dieu parle par le Fils. Hein? Ce que le Fils n'a pas fait, ça ne peut plus être Dieu qui dit ça. Le premier qui dit amen, sa vie va changer. Amen. Dans les temps qui sont les derniers, Dieu nous parle par qui? Par le Fils. Toute autre voix qui n'est pas celle que la parole nous révèle être de Jésus-Christ. Dans la Bible, c'est du diable. Même si toute la terre accepte ça, ça ne change rien. Dans les temps qui sont les derniers, Dieu nous parle uniquement par qui? Par le Fils. Oh, le premier qui dit amen. Et c'est par lui qu'il a créé les temps, les âges, les phases, les systèmes. Regarde. Systems. Et c'est par lui qu'il a créé. Regarde. Il a établi héritier de combien de choses? Combien de choses? Toutes choses. Everything. Écoute, écoute. Le manque et la pauvreté, c'est la mort dans ta vie. Amen. 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 Regarde, je ne sais pas. Ma part, I don't know. Si je this sais is my own. Souvent, I don't know. Pray for me when you are home. Pray, oh God, help my pastor to be calm. Because the word. Look, how can you believe that and you are sad? When he says, he made him heir of everything. The man who is heir of everything, he comes now in John chapter 15. He tells me as of verse 6 that we are co-heir of the Father. Si il a fait héritier if he made de him chose, heir of everything, et l'héritier de toutes choses, the heir of everything said, co-héritier. So we are co-heirs. Il dit tout ce que le Père, lui-même il confirme, he tout confirmed ce that que le Père a everything est à moi. The Father has is for vous me. Vous êtes héritier de toutes and choses. Comme qui? Comme lui. As him. Attends, c'est très grave. It's very terrible. Ça veut dire que. It means that. Hey, ça veut dire que. It means. Pour nous, Jésus a for Jesus comme Christ, Benjamin. He operated like Benjamin. Le trône lui appartient. The throne belongs to him. Et il dit à David and que viens David, prendre. David, come and take it. Attends, est-ce que tu es sûr que tu es dans ça? Are you sure you are in this hall? Laisse-moi aller plus loin. Allow me go further. Quand quelqu'un ouvre un compte, when someone opens an account, et il dit an account, que c'est un compte pour nous deux, it's a joint account. Okay, ça veut dire que vous devez signer à deux. You have to sign both pour avoir accès. To have access to that. Mais il y a une autre forme de compte. Another form of account. C'est que tout ce qui est dedans est autant design, pour toi. Hein? Que c'est pour moi. It's both for tu us. N'as même pas besoin de ma signature. Ta seule signature prend tout ce qui est à l'intérieur. Amen. C'est de ça que Jésus parle. What Jesus Christ is talking il about? Dit tout, vous savez. You know, quand le fils est né, essayait de mériter ce qui appartient à son père. To his father, son père a dit his father tout ce said, que j'ai est à toi. Is for you. Ce que tu n'as pas, all c'est ce que tu as refusé de prendre. Tant ta main droite prend l'abondance. Le premier qui dit amen, ça s'appelle. Amen. Regarde le verset. Comment tu vas être triste how quand tu connais ces choses? You know il a établi héritier de combien de choses? Of all things. Ça veut dire y compris le cœur des hommes, y compris le cœur des femmes. Yeah. Que tous les célibataires crient que ma femme, mon mari, viens. Il y a des choses quand tu comprends. That is why you understand. You smile. Tu te lèves comme ça le matin. Get up in the morning. Tu es toujours célibataire. Tu dis are you non. Single, mon mariage no. est en cours. My marriage
things on God. Toujours stérile. Non. Mon bébé est en cours. My baby is on his tu way. Es toujours pauvre. Non. Ma richesse est en cours. Parce que tu as appelé à l'existence les choses qui ne sont pas comme ça. Un célibataire crie, mon mari, ma femme, viens. Come. Si tu dis ça de tout ton cœur, il vient maintenant. He's coming now. Hébreux 1. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers points. Il a établi héritier de combien de choses? Of all things. Et c'est par lui qu'il a fait le monde. C'est-à-dire que le mot là-bas, ce n'est pas cosmos. The word is not cosmos. Ce ne sont pas les planètes. They are not planets. Le mot, c'est aion. The word is aion. Ce sont les âges et les temps. Ages and times. Ça veut dire que même quand on te dit qu'il y a la crise économique, ça ne te concerne pas. Quels que soient les âges et les temps. Le premier qui dit amen. Quand les nations vont dire nous tombons, toi tu vas dire je m'élève. Le premier qui dit je m'élève. Je m'élève, oh je m'élève, et je m'élève, oh je m'élève, je m'élève, oh je m'élève, et je m'élève, je m'élève, oh je m'élève, et moi je m'élève, je m'élève, oh je m'élève. Quelqu'un dit amen. Nous allons prier à Dieu la plus haute louange. Alléluia, alléluia. Hein? La gamme c'est laquelle? Nous allons donner. Nous allons donner à Dieu. Nous allons donner à Dieu la plus haute louange. Alléluia. Alléluia. Nous allons donner à Dieu la plus haute louange. Alléluia. 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 Attends. Wait. La danse que tu cherches, est-ce que les hommes peuvent chanter ça? Can we sing this? Nous allons louer à Dieu la plus haute louange. Alléluia. Alléluia. Nous allons donner à Dieu la plus haute louange. Alléluia. 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 Le premier qui dit amen. Donc regarde. Look, celui avec qui je suis un, the one with whom I am one, c'est lui qui a créé les temps et les circonstances and et les saisons. And yes. Donc il n'y a aucune saison qui no doit paniquer. Yes. Hey. Amen. C'est qui détruit les nations, c'est la même chose qui va te lever. That will raise you up. Jean-Cy, est-ce qu'ils ont compris? Amen. Attends. Wait. Le moment de terreur d'Israël. Moment of terror of Israel. C'était les 40 jours. It was the 40 days. Goliath challenged Goliath Israel. Was challenging Israel. Le roi et l'armée avaient the peur. King and the army were afraid. Est-ce que tu sais que la saison de challenge, the season of challenge, où les gens se cachaient, where people were hiding c'était themselves. La saison de l'émergence of the de emergence David. Of the amen. Le premier qui dit hey! These people. It's a child who is understanding. Look, God is judging you. It's a baby who is understanding. Dieu va prendre la louange de God ceux qui take sont à la mamelle. The praise of those who are the breast. Tu es là, tu ne comprends pas. Quelqu'un dit je comprends. Verset 3. Verse 3. Hebrews 1, verse 3. Il dit ce fils, aïe aïe aïe. Oh God, chai. Tu vois. You see. Souvent il faut comprendre les États-Unis. You have to understand the United States. Quand tu as trop d'armes, tu cherches. When you have so much weapons, you look for war. Sinon, le stock d'armes que tu as. The stock of weapons, what you said for? Quand tu connais qui when tu you es, know who you are, tu cherches les problèmes. Problems. C'est-à-dire tu marches comme you ça. You walk like that. Depuis deux semaines, personne ne t'attaque. No one is attacking you. Tu vois quelqu'un comme you ça. See someone tu like just hit him. Tu cherches à tester ce que Jésus t'a donné. Test tu viens de découvrir que. Ayakino Matata Yata! Amen. Tu viens de découvrir que. Que tu es le rayonnement de l'être de Dieu. Mettez le verset 3. Ce fils avec qui nous sommes un, qu'est-ce qu'il est? Il est le rayonnement de sa gloire. Et l'expression de son être. Tu marches dans l'amour de Dieu en permanence. Dans la sainteté de Dieu en permanence. Est-ce que tu sais que il n'y a aucun être humain qui se réveille le matin et il a la tentation d'aller à quatre pattes et d'aboyer. Parce que ce n'est pas ta nature.
vous bagarrez. Écoutez, les chrétiens bagarrent avec le péché. Parce qu'ils ont refusé la parole. Quand tu acceptes l'évangile de Jésus-Christ, ça te délivre de toute forme de puissance de ta chair. You are in charge. Amen. Écoutez. Listen. Quand on dit que tu es au contrôle, say you are in charge, tu n'es pas au contrôle tant que ta chair te contrôle. When your flesh controls you, ah, les gens ne comprennent pas. You are not here. Être au contrôle, ce n'est pas avoir l'argent. It's not having money. Non. No. Quiconque contrôle sa chair control his flesh, prend contrôle de tout le reste. Things. Le premier qui dit amen, tu passes au contrôle. Amen. Verset 3. Verse 3. Ce fils, dis à ton voisin, c'est de moi qu'on parle. They are never, the one I'm talking, they are talking to. Mets ton nom. Qui est le. Tu vois, pourquoi tu trembles quand tu mets ton nom? Jésus t'a déjà dit que vous êtes un, vous êtes un. Sainte-Déphorodri, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression. Dis à ton voisin, tu veux voir Jésus-Christ? Tu veux voir Dieu? Le voici à côté de toi, le voici à côté de toi. Le premier qui dit amen, ta vie change. Quiconque veut la photo de Dieu dans sa maison, filme-toi, tu accroches. Le premier qui dit amen, ta vie change. Filme-toi, tu accroches. Verset 3. Saint de Forodrigue. Ouais, mets ton nom. Pourquoi tu l'as? Maintenant tu me regardes mal. Like Sainte-Déphorodri, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Élève ta voix une minute, déclare ce que tu veux voir. Déclare. Proclame, déclare. Annonce. Amen. Regarde maintenant quand tu connais son look nom, now, regarde ce qui se passe. Look at what is happening. Allons dans Esaïe 52. Isaiah 52. À partir du verset 3. Verse 3. Esaïe 52. Isaiah 52 à son verset. Esaïe 52. Isaiah 52. Tu es déjà là-bas, dis amen. 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 Tu cherches encore, dis j'arrive. Tu n'as pas de Bible, dis je rentre. No Bible, say, I'm going back. Moi je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai et ce que je suis est à toi. Je te donne ma. Oh, je te donne. Je te donne mon cœur. Et je te donne. Je te donne tout ce que j'ai. Moi, je t'appartiens. Et je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Et je te donne. Je te donne mon cœur. Je te donne. Je te donne tout ce que j'ai. Ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne. Je te donne ma vie. Ce que j'ai, je t'appartiens. Bon, maintenant, mettez ça, Esaïe 52. Regardez, écoutez maintenant. Écoutez. Tout ce qu'on partage depuis la voici, ça. Je dis, quand tu sors, tu vois, en route comme ça, tu construis ta vie. You construct your life. Je te dis, tu marches comme ça. Like je brille plus que le soleil à midi. J'ai pris contrôle de mon ministère au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui se dressent sur mon chemin, je les ai renversés. Merci Seigneur. Merci Père, car ma lumière brille plus que le soleil à midi. La terre et tout ce qui s'y trouve, ça m'appartient. Quand les gens te voient murmurer comme ça, même s'ils doivent avoir les problèmes, ils ne savent pas que tu es en train de contrôler la terre. Zingata, papa, papa, papa. De temps en temps, tu t'arrêtes. Rakata, elle les saute, papa, papa. Au quartier, on sait déjà que tu es un occultiste. Parce que quelqu'un qui passe son temps, ça dit ra, 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 ta, 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 ta. Père, je te rends grâce.
Merci parce que je suis au contrôle. L'esprit qui a créé le monde habite en moi. Ta parole dans ma bouche est comme une épée à double tranchant. Merci parce que tu veilles sur ce qui sort de ma bouche pour réaliser ce que je prédis. Quelqu'un comprend ce qu'il partage ici. Et c'est comme ça que tu es tout. Donc tu n'es pas le genre de personne. Oh, vraiment, ce matin, je me suis levé comme ça. Je ne me sens pas bien. C'est quel langage? Tu ne peux pas être plus fort que ton langage. Tu ne peux pas être plus glorieux que ton langage. Tu ne peux pas être plus puissant que ton langage. Tu ne peux pas être plus riche que ton langage. Quelqu'un dit tout est à moi. Tout est à moi. Ésaïe 52, partie du verset 3. Ah, ici, tu comprends ces choses. Car ainsi parle l'Éternel, deux points. C'est gratuitement que vous avez été vendu. Et ce n'est pas prix d'argent que vous serez racheté. C'est gratuitement que vous avez été vendu. Et ce n'est pas prix d'argent que vous serez racheté. Ne cherche pas, vous savez, mange pas avec l'argent cherchant qui va te délivrer. Le sang de Jésus a déjà coulé. L'Esprit de Dieu est déjà venu. La souffrance qu'il y a aujourd'hui dans l'église, c'est à cause de l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4, verset 6. Dans Isaïe 5, verset 13, il dit, parce que tu rejettes la connaissance, il tu iras en captivité. Il dit, ta noblesse ira en captivité. Pour les simples gens, vous êtes captifs même déjà. Il dit, ta noblesse ira en captivité. Quand tu rejettes la connaissance, regardez, continuons. Verset 3 encore. Isaïe 52, verset 3. Est-ce que tu es prêt? Quand ici parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendu. Et ce n'est pas prix d'argent que vous serez racheté. Verset 4. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. D'abord, les premiers gens qui t'ont capturé, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis, après ça, la Syrie l'opprima pour rien. Donc Dieu dit, Dieu cite les grandes oppressions qu'il y a eues. Celle de l'Égypte et celle de la Syrie. Amen. Là où le temple a été détruit. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que les Juifs et tous ces gens qu'il y avait de l'autre côté en Samarie ne s'entendaient pas. Parce que les Samaritains, c'était des Assyriens qu'on avait déportés de ce temps-là. Est-ce que tu es toujours ici? Amen. Ok, continuons. Il dit, on l'opprima pour rien. Verset 5. Il dit, et maintenant, qu'ai-je à faire, oracle de l'Éternel? Donc, tu vois, la captivité, c'est ce qui te coince et tu n'as pas de force contre cela. No strength against that. C'est dans ça. Tu as dit, quand quelqu'un est captif de la drogue, captif de l'alcool, captif des impuretés de la chair, il y a tellement de captivité là-dedans, captif de la pauvreté. Il y a des gens qui ont déjà tout essayé pour mettre fin à leurs conditions financières. Rien. C'est comme la captivité de l'Égypte et de la Syrie. Tu vas voir la solution. Regarde, tu vas voir la solution. Non. Il dit, et maintenant, qu'ai-je à faire, oracle de l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Et il dit, regarde, ces tyrans poussent des cris, oracle de l'Éternel, et tout le jour, mon nom est blasphémé. C'est-à-dire, tu dis que tu es un chrétien, et les gens te disent que tu es chrétien et ta vie est comme ça. Tu es captif dans quelque chose, tu ne parviens pas à sortir. Donc, même les mondains qui disent que ils se moquent du nom de Dieu à cause de toi, c'est parce qu'ils savent que quand tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas être coincé comme ça. Ouais, quelqu'un dit amen ici. Amen. Quelqu'un dit, je suis un enfant de Dieu. So you are a child of God. Mais je suis coincé. But I'm hooked. Ah. Les mondains disent qu'à votre Dieu là, c'est la blague. This is God. It's a joke. Ton nom va donner gloire à Jésus-Christ. Ta vie va donner une splendeur inégalée au nom du Seigneur. Amen. Remettez le verset 5 encore, relis bien. Il dit, et maintenant qu'ai-je fait au rang de l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris au rang de l'Éternel, et tout le jour mon nom est blasphémé. Des réunions familiales, c'est pour toi. Is for you. Tu te maries quand? When are you getting married? Tu es marié, dis, tu accouches quand? When are you giving birth? Tu accouches, tu construis quand? When are you tu es le seul qui n'a pas de maison dans la famille. You're the only one who have no house in the family. Jusqu'à tes petits neveux ont construit. If you have a big house already. You're just confused. You're just confused. Et tu sais, le diable aime ça. The devil loves that. Il aime humilier ceux qui ont l'ignorance. Those who have ignorance. Afin de t'utiliser pour ridiculiser le nom du Seigneur. The name of the Lord.
au nom de Jésus Christ. L'onction qui vient vers toi ce matin, ta vie va servir à la splendeur du Seigneur. Celui qui a un amen sincère, c'est établi. Verset 6, regardez la solution. Il dit, c'est pourquoi. Regardez la solution maintenant. La solution, ce n'est pas, c'est pourquoi on aura une grande saison de délivrance et de chassage des démons. C'est ça qui est écrit là-bas. On aura deux semaines de démons par. Of demons, go. Deux semaines de mon père, tue mes ennemis. Father, kill my enemies. Deux semaines de quiconque arrête ma vie, je coupe ta tête. I cut off your head. C'est ça qui est écrit là-bas. Is that what is written? Non, regardez la solution de Dieu. C'est pourquoi les pasteurs organiseront les programmes. J'en perds mes ennemis. I bury my enemies. C'est ça la solution. Is that the solution? Depuis que tu les enterres, qu'est-ce qui a changé? Buried, what has changed? Regarde la solution de Dieu. The solution of God. Il dit, toutes les captivités que tu as eues en Assyrie et en Égypte, j'ai vu ça. Tous les jours, on se moquait de mon nom. J'ai vu ça. Maintenant, voici la solution. Tu comprends maintenant Jean 17, verset 6. Quand Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom. Pourquoi? À cause de ça. Il dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Donc, quand tu connais Jésus-Christ, tu es incapturable. Le premier qui dit amen, ta vie. Regarde. Look. Donc, toi, quand tu rêves maintenant, you dream now, et les démons entrent dans ta chambre, demons, ils entrent, on nous a envoyé te tuer. They've sent us to kill you. Après, ils calent là. Now they remain there. Ils calent comme ça jusqu'à tu te they réveilles. There till you get up. Maintenant, tu te réveilles. Now you get up. Tu les vois là-bas. You look at them standing like that. Donc, tu vois, ce n'est pas le genre, tu... screaming. Ils sont calés comme ça. They stoop like that. Donc, tu te réveilles, tu dis, you get up. Vous restez comme ça trois you semaines. Like that, 3 weeks. Et chaque nuit, tu te couches, ils sont là. You are sleeping there like that. Trois semaines. 3 weeks. Les gens entrent dans ta chambre, ils ne savent pas qu'il y a les esprits, ils sont calés comme ça. Trois semaines. 3 weeks. Après trois semaines, tu les regardes encore. You look at them. Je prolonge encore trois semaines. I prolong 3 weeks. Le premier qui dit amen, je te dis, c'est ta vie comme ça. Like that. Tu les secoues en permanence. Shake them permanently. Ce n'est pas le genre. It's not the type. J'ai très peur la I'm nuit. Very much afraid at night. Et tu lui demandes, tu es né de Dieu? Are you born oui. again? Yes. Et qu'est-ce qu'il y a la nuit? What is in the night? Je night. Vois mon in grand-père. Night, I see my grandfather. Regarde ton voisin. Dit, ha, ha, ha. Ton grand-père. Your grandfather. En allant dormir, tu dis, j'espère to que sleep. Tu viendras avec you know, toute ta fraternité. You will come with all your fraternity. J'ai pas envie de te détruire, so je veux vous massacrer I want to massacre you all. Amen. Et tu ne pries pas. And you don't pray. C'est une question de nature. It's a question of nature. Est-ce que le chien prie pour aboyer? Is the dog praying for to bark? Quand le lion dort, les When lapins the jouent à côté. Lion sleeping, do rabbits play around? Tu as déjà vu un lion qui dort, les lapins dansent autour de sleeping, lui. Rabbits are dancing around him. Pour ne même pas le réveiller, vous dansez de plus en plus loin. Far, et il dort, far, far, il dort. He's sleeping. Et tu es de la race du lion de la tribu the race of de Juda. Si une maman lapin envoie son If bébé mama rabbit send jouer sur baby les rabbit. Dents d'un lion qui dort, she will commit suicide. Sacrifice. She's offering for il sacrifice. Va pas revenir. He won't come back. Tu dors comme ça. You're sleeping like that. Et Satan dit à un démon comme ça. Va l'attaquer. Le démon, go and attack him. Le démon dit à Satan, pas toi-même. You go yourself. Si c'est autant facile, pourquoi tu ne pars pas? Why you're not going. Le premier qui dit amen, le feu. Fire. Yeah. Regarde. Look, suivez-moi très bien. Follow me keenly. Ce que tu lis dans la parole, that which you buy in the la word. Vérité. It's the truth. Il a fait de nous des flammes made us de feu. Flames of fire. Amen. C'est 24 sur 24. 24/7. Après ce culte, after this service, tu ne vas laisser vivre aucun ennemi qui attaque no ta enemy. Vie. Yeah. No. Amen. Je t'ai dit que sur terre, you, on earth, te laisse tranquille quand on connaît ton niveau de terreur. They know your level of terror.
Si tu ne veux pas que tous les sorciers viennent tester leur force sur toi, le premier qui vient, tue-le. Le deuxième qui vient, tue-le. Le troisième qui vient, tue-le. On envoie le quatrième, il dit je ne pars pas. Va demander à Élie ce qui s'est passé. On envoyait 50 soldats l'arrêter, il les brûle tous. On envoie 50 soldats, il les tue tous. Le prochain qu'on a envoyé, il est venu en marchant à genoux. Il a dit, aie pitié de ma vie, car j'ai une femme et des enfants. Et le Seigneur a dit, descends. Tends-moi ta main droite. La place que quelqu'un a prise dans ta vie, tu la reprends. Si ton amen est sincère, tu la reprends. Quiconque a arraché ce qui t'appartient, il vomit le double dans tes mains. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui même si c'est toi, je t'écrase. Everybody, when I crush you. Elle est prête que toi, Tati, à toi. Je le sois. Sur cette terre, tous les nonchalants souffrent. All the nonchalants suffers. C'est pour ça que Jésus dit les violences, Matthieu 11, 12, les violences, ça n'en parle pas. Les nonchalants, on les torture par distraction. C'est-à-dire, un sorcier cherche quelqu'un sur qui va tester sa sorcellerie. Il dit à ses amis que, ouais, pardon, allons donner même la folie aux enfants du gypsy. C'est un nonchalant. C'est un nonchalant personne. Parce que tu te lèves la nuit. Hey, Seigneur, je suis entre tes mains. Je ne sais pas. Au bout, ça va être comment? Mais dans tous les cas, papa, c'est toi qui connais toutes choses. Alléluia. Alléluia. On en fout Jésus. On en fout Jésus. Maria. Maria. Tu dors. You are joking. Tu blagues. You are joking. Tu blagues. Tends-moi tes deux mains, dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Massacre-les! 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 Amen. Un feu dévorant. Tu essayes, tu ne vas pas voir demain. Quiconque réclamait la vie d'un seul de tes enfants, il part maintenant. Mission pour attaquer ton foyer. Je n'ai même pas dit détruire, j'ai dit attaquer. Le feu les consume radicalement. Quiconque est assis sur tes finances, tes finances, tes finances, le feu les détruit radicalement. Le premier qui dit un amen terrible trois fois. Est-ce que tu es ici? Cessez d'avoir Christ en vous avec la panique. Rien n'active la présence de Dieu comme une foi pleine et entière. Dieu te repose sur la parole. Oh, ouais. Mettez-nous Esther 6, verset 13. Souvent, il y a des choses que quand je lis, j'ai envie de secouer les chrétiens. Oh, qu'est-ce qui vous arrive même? Regardez. Aman racontait à Zeresh. Dis à ton voisin, Aman, c'est le premier ministre de la Syrie qui a capturé Israël. Ce que tu as lu tout à l'heure. Le grand patron là-bas s'appelle comment? Aman. Il raconta à Zeresh, sa femme, et à toutes ses intimes, ce qui lui était arrivé. Ses conseillers et Zeresh, sa femme, lui dit, s'il est de la race juive, ce Mardoché. Quelqu'un dit Mardoché, c'est un mendiant. Et on avertit le premier ministre que si ce mendiant, c'est un juif, ce gars mendiant que tu attaques, ta vie est finie. Je m'en fous de savoir le rang social, les relations et l'autorité politique de la personne. Quelqu'un t'attaque dans moins d'une heure, il meurt des temps. Premier qui dit un amen comme le tonnerre, ça s'appelle. Il tombe et il ne se relève jamais. Je renverse tous tes ennemis. Le premier qui crie amen, tous tes ennemis tombent. Tous tes ennemis tombent. Écoutez, ne nous voyez pas galants dans les vestes. Nous sommes des guerriers mortels. Dieu
Dis à ton voisin, je suis un guerrier mortel. Ne vois pas les habits que je porte. Irakatapakayatatatata. Erekadekelekoza papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque bloquait ta route, je l'écrase. Le premier qui se lève et dit amen, ça se passe. Elia, 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 et moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai. Remettez ça. Esther 6, verset 13. Esther 6, verset 13. Yahweh ni monissa. Regardez, relisons ensemble. Lisons comme une chorale. Quand j'ai dit 1, 2, 3, on lit. 1, 2, 3. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses intimes, ce qui lui était arrivé. Point. Ses conseillers et Zeresh, sa femme, lui dit, deux points. S'il est de la race juive, ce Mardochée devant qui tu as commencé à déchoir, tu ne tiendras pas devant lui. Ta déchéance sera totale devant lui. Attends, c'est la femme et les conseillers du premier ministre qui dit au premier ministre, renseigne-toi sur l'identité spirituelle de ce mendiant. Dis à ton voisin, renseigne-toi sur mon identité spirituelle. Ma Bible dit dans Romains 2, verset 28, que le juif n'est pas celui qui en a les apparences extérieures. Le juif l'est intérieurement. Et la circoncision n'est pas celle de la chair, mais celle du cœur en Christ. Regarde, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Regarde ton voisin, dit les juifs spirituels là, c'est nous. C'est nous qui sommes la descendance d'Abraham. Le premier qui dit amen, toute ta vie change. Ça c'est le genre de culte. Tu sais, on arrête seulement pour te laisser tranquille. Laisse-moi te montrer quelque chose. Allons dans Nombre 23, verset 22 et 23. Il les a fait sortir de l'Égypte. L'Éternel est pour eux comme le buffle et la force du lion. Il dit la magie, la sorcellerie, l'occultisme ne peuvent rien contre Jacob. Amen. Si à cause l'Église, si à cause du sang des boucs, la magie, l'occultisme, la sorcellerie ne peuvent rien contre Jacob. Imagine-toi qui a été lavé, racheté, sanctifié, introduit dans la présence de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Et un magicien au village dit qu'il va détruire ta vie. Dis-lui que tu es déjà mort. You are already dead. Le premier qui dit amen, tous les décrets contre ta vie, ça expire. Tu quittes ce culte, il n'y a plus aucune peur dans ton système. Aucune. Non fier. Aucune peur. Non fier. Mettez ça, non. Apocalypse. Non, d'abord, non. 23, verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buff. Verset 23. L'occultisme peut quelque chose contre Jacob. Quand tu dis que vraiment tu ne connais pas les puissances que j'ai. You don't know the powers I have. Il dit waouh. Say wow. J'espère que tu en as vraiment. I hope you really have some. Parce que tu es déjà mort. Because you're already dead. Tu imagines une créature menacer son créateur. I disconnect you. Je te débranche. I disconnect you. Le premier qui dit amen, tous tes ennemis sont sous tes pieds. Je te débranche. Je dis je te débranche. I disconnect you. Parce que là où on branche tous les hommes de la terre, je connais l'endroit. J'entre là-bas et je te débranche. Le premier qui dit amen, je débranche tes ennemis. Oui, les gens ils ne comprennent pas. Je dis là où tous les hommes de la terre sont branchés, l'endroit exact
je connais. I know. Dis, j'entre là-bas. J'entre là-bas. Tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Je vous débranche. Je vous débranche. Toute puissance qu'on utilisait contre toi, ça expire. Le premier qui dit amen, ça expire. Ça expire. Les puissances astrales et cosmiques expirent. Les puissances du royaume des eaux expirent. Les puissances mystiques des ténèbres et des lieux sataniques, ça expire. Les pouvoirs de l'air, du vent, de l'eau, du feu, du sel, quels que soient les agencements des planètes, toute leur puissance contre toi expire. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, ça s'approche. Quand l'église va reprendre sa place d'autorité. Les enfants de Dieu vont cesser d'aller chercher Satan. Et les satanistes vont fuir se cacher quelque part. Cessez de croire que l'église c'est pour la morale. Non, c'est pour la domination de Jésus. Écoute, avance le genre que ton voisin est lent, tu le piétines. Je suis au contrôle et j'ai bébé ararara et zototo. Je brille plus que le soleil, je brille, je brille plus que le soleil. À midi, le premier qui dit amen, ta lumière dépasse. Regarde ton voisin, dit échoué. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Regarde Apocalypse 12, verset 11. Regarde, est-ce que tu sais que tu es debout depuis? Mais la parole, tu ne sens rien. Tes forces sont haya. Quelqu'un dit haya, haya, haya. Aïe 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 aïe. Pardon, assieds-toi. Tu as assez fait le sport pour aujourd'hui. Tous les gens qui n'étaient pas au sport hier samedi, vous avez rattrapé votre matinée de sport. Merci à qui? Merci à qui? À qui? À Jésus-Christ. Pardon, c'est moi qui ai dit que tu restes debout ici. Amen. Maintenant, finissons ici et tu remets tes pieds debout. Regarde. Apocalypse 12, verset 11. Imagine quelqu'un vient dans cette église et c'est quelqu'un de nerveux. Il aura la WC ici. L'église, il faut la joie du Saint-Esprit. Tiens, d'ici, tu es un fiasqué. Tout ça. Le gars qui a le micro, tu auras les problèmes. Il va te dire, assois-toi, tu t'assois. Il dit, levez-vous. Après, il dit, tends les mains, tu tends. Il ne dit plus rien, il donne un verset. Tu as maintenant tendu ta main comme ça, tu attends la prière. Il ne dit plus rien, il n'est plus sur la prière. Et tu veux baisser, il dit, tendez les mains. Quelqu'un peut faire un an ici sans que son corps soit léger. Amen. Par le Saint-Esprit et les exercices. Amen. Dis amen ici. C'est amen, yeah. Tu es le genre qui aime bouder, vraiment. Moi, je n'aime pas une église où les gens crient comme ça. Lord Church, we won't scream like that. Quelqu'un crie Jésus! Jésus! Je suis au contrôle. Jésus et moi, nous sommes un. Je ne peux pas échouer. Dis à ton voisin, je suis très riche. Je suis très riche. La terre m'appartient. Le titre foncier à mon nom. Quiconque est au son de ma voix, tu finis cette année étant dans ta maison, ta propre maison. Le premier qui dit amen, la parole s'est accomplie. Quiconque avait déjà une maison, tu construis la deuxième. Quiconque avait une deuxième, tu bâtis un immeuble. Quiconque avait un immeuble, tu construis le prochain immeuble. Le premier qui dit amen, l'onction descend. Ceux qui ont le vous êtes là, que Dieu vous bénisse.
Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Because of the blood of the lamb. Et la deuxième âme, c'est quoi? Et à cause de la parole de leur témoignage. Donc ta bouche doit déclarer ce que tu crois. Ton témoignage doit avoir une expression vocale. La parole de leur témoignage. Dis amen. Amen. Ton amen est parti au village. Amen. Le fringue chop, c'est comme si on a duré sans se voir. Depuis que tu as Douala maintenant. Si tu as Douala. Alléluia. Amen. Amen. Papa Ngechop, tu es béni. Amen. 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 Donc, un jour, il a demandé la main d'une sœur. La sœur dit qu'il est trop court. C'est very short. J'ai dit, ah, mon fils, si ça m'a énervé, j'ai dit, tu seras riche, bête. You'll be rich, bête. Rich, mat. Écoute, la fortune financière corrige les manquements à une vitesse. Amen. Je te dis, tu vas voir. Miss Longueur, elle va l'épouser. Miss Longueur. Le premier qui dit amen, l'abondance. Amen. Demande la main d'une soeur et dit tu es court. You are short. C'est la taille que tu épouses. You are getting married to the height. C'est la taille on épouse. You are getting married to the height. C'est la taille ça soutient la maison. The height to sustain the house. Tu as vu la taille, ça achète le pain. Have you seen height buying the bread? Le premier qui t'y amène une notion descend sur toi. Yeah. Et ça disait que quand tu es même cool, you know, when you are short. Le prophète du Ghana là, son nom, celui que le jour du mariage, il est monté sur la chaise pour embrasser sa femme. Climb on the chair to il est plus petit que mon fils. Mais il dit que pour sauver sa descendance, il cherchait seulement les femmes géantes. Pour qu'au niveau de l'enfantement, ça équilibre. It balances everything. Dans les photos de son mariage, il nous a montré ça. Il était monté sur la chaise comme ça. He climbed on the chair. Et là, il a maintenant levé les pieds. Et il a embrassé sa femme. He embraced his wife. Ya ya. Autrement, ça n'allait. Elle allait pouvoir se baisser comme ça. She would have just bound down. Bound down. Lève ta main droite au nom de Jésus-Christ. Christ. Tout ce qui amenait la honte sur ta vie, ça disparaît. Amen. Ton témoignage doit avoir une parole. Amen. 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 C'est quand vous êtes assis comme ça, je vois que l'église, on prend l'âge. Hein. That we are getting old. Tu vois, l'église a déjà ses 20, cette année, c'est 22 ans. It's 22 years. Child. Donc, tu vois, les gens avec qui on a commencé, ils avaient 18 ans, tout ça, ils ont 40 ans. Now they are 40. Hier, yeah, Gloriane s'est mariée. Gloriane. Gloriane was getting married. Gloriane, je l'ai baissé quand elle était bébé. Hier, Gloriane s'est mariée. Amen. Gloriane was getting married. Wow. Et tu vois comment l'âge passe, on ne fait que rajeunir. Regarde. Amen. On va getting younger. Ouais. Chou, pardon, viens. Yes. Elle connaissait déjà tout. Mon frère marié, c'est Mario. Marriage is marriage. Donc à partir de maintenant. Vous allez seulement rester comme ça. Vous dansez sans musique. Regarde. Dance without music. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison de. C'est ma saison. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison de gloire. Non, attends. Yeah. Oh. 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 Je t'attrape. I catch you. J'ouvre mes yeux, je te vois. Asseyez-vous. Écoutez, un vrai chrétien, ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Not because you come to church. C'est la qualité de ton foyer. The quality of your home. Amen. Beaucoup qui s'appellent chrétiens manquent d'autorité spirituelle. Lack spiritual authority. Parce que la chair les domine. Because flesh dominates over them. Amen. Amen. Le lingala, je ne connais pas. En Amazon, en Anaja. Nanani, 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 nan
Vila kanyaza beyo koko kisama na bomo inangai. Histoire ko changé. Et regarde, la sœur chantait comme ça, la foule chante. Et le frère, maintenant, lui, il était en charge des cas dehors. Mais de temps en temps, il venait rester à la porte ici. Et il regardait comme ça. Ceux qui comprennent, comprennent. Tofuroni. Nkolo Yannick, Nkolo. Fania, combat toi-même. Le premier qui dit amen, tu prends le mariage. Le mariage est bien quand votre foi en Jésus est authentique. Sinon, c'est des tourments. Un homme, il est infidèle. Une femme, elle est arrogante. Vous allez goûter l'enfer sur la terre. Il te dit, je prie pour toi, tu ne vas jamais épouser une femme arrogante. Tu me parles que tu es qui? Tu es qui? Quelqu'un que tu as douté. Darwin. Speak to me now, who are you? Un homme dort dehors. Man, he sleeps outside. Même s'il ne dort pas dehors, dès que tu es infidèle, tu as perdu ton rang. You've lost your rank. Amen. Amen. Quelqu'un il manque, même le diable dit, hey. So his lies, even the devil says. C'est-à-dire le diable envoie les démons prendre les couches chez lui. Les démons sont pleins chez lui. C'est pour le coup. Parce que quand il manque, il n'est pas le genre, il manque, il tremble. Il manque, même le diable dit, ah, ça. Il manque, il est calme. Il lies while being calm. Tu as vu quand Géasi mentait, il a dit, je ne sors de nulle part, j'étais là dehors. Élisée dit que tu crois que mon esprit est très loin de toi. Il dit, je sors de nulle part. Tu as déjà vu quelqu'un, un enfant, les enfants connaissent son mentir. Il a l'huile des beignets sur la bouche. Et il dit, je n'ai plus aucun beignet. I have no perfume. Donne-moi ta main droite. Stretch me your right hand. Ta vie sera glorieuse. Your life will be glorious. Elle sera très glorieuse. Very glorious. Donc, amen, n'a rien pris. Elle sera très glorieuse. Tiens-toi sur tes pieds. Salut, your feet.